Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Robocraft avec un nouveau robot, comme vous pouvez le voir chers amis. On va bien voir s'il est efficace ou pas. En tout cas, je l'ai trouvé joli visuellement, donc écoutez, je ne demande qu'à voir. On va voir si oui ou non il vole correctement déjà, ça serait déjà pas mal. Je suis même pas allé le tester, vous savez. Je suis un grand fou. Niveau armement, je suis pas trop au courant de ce qu'il a, on verra bien. Quoi qu'il en soit, nous verrons bien si oui ou non il est efficace. Alors, allons-y. En tout cas, en termes de vitesse de vol, il est pas trop mal pour un hélicoptère. Ça me plaît. Si on peut atteindre, voilà. Et commencer à checker vite fait ce qu'on a comme... Ok. Vas-y l'ami, je te heal, y'a pas de soucis. Hop. Donc pour l'instant, ils ont moult anti-aériens en face, ce qui est une bonne chose pour eux, vu le nombre d'aériens qu'on a de notre côté. Hop. Crac. J'ai de péter l'armement de mon adversaire. Il se trouve être plus compliqué que prévu. Et merde. Ah la vache. J'ai plutôt attendre que ce monsieur arrive. Alors, il a tendance à s'envoler tout seul. Ce qui peut être un problème en soi. On va surprendre un petit peu notre sniper. Raté, il n'y en a pas un tir qui a touché. J'ai juste été très 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 mauvais. C'est pas grave. Cependant, j'ai pas l'impression qu'on soit hyper méga aidé au niveau de... Au niveau des autres tours. Alors là par exemple, vous voyez, je suis dans la merde. Hop, j'essaie de passer du mieux que je peux. J'ai réussi. Quoi? On a deux livers. Non, Rimé et Radfra. Ah bah d'accord, bien. Il y en a un genre qui keep, c'est cool. Au moins c'est équilibré. Voilà. Vache, quelque chose qui me nique aussi de l'arrière. Ok. Reviens me voir. Ennemi droit devant. Aïe. Aïe. Bon là je vais me faire rect hein. Là faut pas que j'espère de j'espère survivre parce que ça vaut pas le coup. Voilà. Donc en termes de dégâts, il est pas top. En tout cas, en début de partie, il n'est pas top. Et il a vraiment très très peu de batterie. Ce qui ne m'encourage pas à l'utiliser. Ah, est-ce que je vais faire un live aujourd'hui? Malheureusement non, hein. Avec Noël qui arrive, je vais devoir prendre quelques... Enfin, Noël qui arrive donc samedi, après, enfin samedi soir, avec toutes les choses à faire dans la journée de samedi. Je vais devoir prendre un petit peu de temps à l'avant, je vais pas pouvoir faire de live. Que tu fêtes quand je me co au moment... Bah là malheureusement... bon, je sais ce que je vais faire dans les prochaines vidéos, chers amis. Je sais comment je vais faire. Je vais mettre, vous savez, je vais vous faire une petite notification sur le fait que vous puissiez mettre quelques points, on va dire.
Hop. Je me fais sniper pendant ce temps-là, moi ça m'énerve. Donc c'est cool, c'est génial parce qu'en fait, quand j'ai un robot qui permet de voler, j'ai rarement aucun ennemi avec des anti-aériens en face. Mais quand c'est moi qui ai un anti-aérien, souvent je tombe sur des équipes en face où il n'y a pas d'ennemis aériens. C'est cool. Faut vraiment, j'ai vraiment l'impression que ce jeu est contre moi. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. On va essayer de choper la tour. Ok. Hop. Est-ce que quelqu'un va me couvrir? Bien sûr que non. Qu'est-ce qui me recte? Est-ce que quelqu'un pourrait péter ce truc ou pas? Crac. T'es sérieux là? Ok. Faut dire, il y a personne qui joue les tours. On avait trois campeuses, quoi. C'est débile. Connaissez pas les règles du jeu, les mecs? Parce que si vous savez pas comment on joue au jeu, faut le dire. Je suis à 100%, mais j'ai plus d'énergie. Voilà. Bah oui, forcément. Je me prends moult dégâts. Je sais pas ce que tu me fais avec tes trucs, mais t'es... Enfin, ce serait peut-être pas mal de faire des kills plutôt que de faire du spot, quoi. Enfin bon, c'est vrai que là c'est dégueulasse. On a tellement d'aériens et ils ont tellement d'anti-aériens. Franchement, c'est dégueulasse au niveau du matchmaking là. Oh, je suis dans mon truc. Tu te calmes. Hop. Voilà. Ah oh, putain. Ah non, il est nul ce robot, hein. J'ai plus d'énergie déjà dès le début. Voilà. Oh. Et forcément, il y a l'autre qui revient. Oh, puis j'ai plus de propulsion. Enfin, j'ai plus de vol. Crac, voilà, lui il est mort. Forcément, l'autre il arrive là. Et je suis mort aussi. C'est fou quand même. On a une partie, on est au moins 3 véhicules aériens, robots aériens, et en face ils nous mettent genre 4 ou 5 anti-aériens, quoi, c'est débile.
C'est absolument débile. Comme vous l'entendez, je suis encore malade, hein. Je vais être malade pour Noël, de toute façon, à ce prix-là. Allez! Allez! Hop, c'est bon. Avant qu'on ne reperde notre tour. Et pourquoi faites tous du fight? Faites plutôt du... De la capture. Putain, il y a un endroit où je... Il y en a un... Ah putain, il est là. Voilà. Ok. La partie est tendue. Ouh là là, la physique. Pouah. Oui. Oui, parce que personne joue les objectifs, donc oui. Allez. Ah, putain d'abruti. C'est dommage, hein. C'est dommage. Enfin, faut dire, quand on voit certains des robots qui sont avec nous, alors ça par contre, ça c'est complètement dégueulasse. Alors j'ai juste... C'est quand même royalement dégueulasse. Allez, je vais essayer d'aller rechercher une tour encore. Oui. Mais vas-y, mais... Mais crève! Ah non. Pourquoi? Pourquoi ce serait moi? Pourquoi ce serait à moi de mourir? Voilà. Crac. Oh, mais quel abruti fini! Voilà. C'est con parce qu'en dehors de ça, il est pas trop mal, hein. Ce robot. Mais il fait pas de dégâts, enfin, il a pas beaucoup de tirs de disponibles. Le problème, c'est que je vois pas si j'ai tout pris ou pas. Hop. Voilà. C'est bon. C'est encore moi qui fais tout, hein. Oh là 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 là, c'est pas possible. Hop. Vais-je trader? Bah non. Putain, mais vraiment une bande d'abrutis avec moi, c'est pas possible. Oh la gueule. Sortez du spawn! Sortez du spawn! Allez, on y retourne. Putain, j'ai l'impression de faire tout seul, quoi, c'est violent. Hop.
Alors tu tires dans le truc mais il se rend pas compte. Et il continue, hein. C'est violent, il continue, hein. Ça doit l'éclater, j'imagine. Egg banana go. C'est limite si le mec fait pas plus de dégâts avec ses... Ah bah voilà, rect. Rect, rect, rect. C'est quand même dommage, hein. Alors que c'est quelqu'un va se bouger le cul pour aller choper une tour. Ça y est, on y retourne. Au spawn. On se fait spawn kill, voilà autre chose. Ok, c'est l'éclate. Non, franchement, franchement, c'est handicapant ce genre de robot. Voilà, rect. Utilité 0. Mais putain, mais... Le mec, il fait que ça. C'est écœurant. C'est écœurant. Se rendre, s'il vous plaît. Faisez pas les cons. Oh putain, il y a vraiment deux abrutis dans l'équipe qui empêchent l'équipe de jouer, quoi. C'est vraiment par pur plaisir. Mais j'ai plus de batterie. Et je me fais tirer dans le dos. Donc c'est cool. Oh, t'es sérieux? Il faut peut-être pas exagérer niveau portée, hein.
Bah maintenant c'est les snipes qui s'y mettent. Ok. Oui! Ah non, ça va pas le faire, hein. Hop. Et le dernier, on sait pas trop ce qu'il fait, mais il veut pas voter. Hop. Excusez-moi. Ah putain, c'est un putain de leurre. Voilà. Crac. Putain. T'es sérieux? Ok. Voilà. Putain, Navi m'a battu, je suis vexé. Ok. Je comprends que je vais pas te laisser très gêne, hein. Mais y a plus de bouclier ou quoi? Oh là 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 là. Je sais pas comment on est en train de la gagner celle-là, mais apparemment c'est le cas. Comment? On sait pas trop. Personne ne sait. Pourquoi ils ont pas de shield? Hop. Allez. Oui. Eh ben, donc, ça aurait été dur, hein. Nom de Dieu. Qu'est-ce que ça aurait été dur? Bon, on n'est pas premier, malheureusement. Mais bon, on se sera battu pour l'avoir, hein. La difficulté. La voilà. En ce jeudi. Hop. Crac. Bah, ça fera une partie par épisode, par contre, là, à ce niveau-là. Je sais bien par où ça passe, en tout cas, l'XP. Hop. Et un seul bleu dans du diamant. Merci, le jeu. C'est sympa. À quoi ça sert de jouer? Alors, en combat, je vais mettre que 2. En style 4. Je sais pas si je reviendrai dessus, on va quand même voir s'il n'y a pas un autre robot pour nous, chers amis. Donc j'étais sur, par le principe, j'étais resté sur le tout début du jeu, là, vous voyez, sur ce truc-là. Hop. Monster Bot. Ouais. Hybride. Justement, il est un petit peu trop hybride celui-là, non?
Excusez-moi, chers amis. Oh là là, ça ne va plus. C'est joli. C'est joli, mais niveau dégâts, ça doit pas être top, hein. Combien de flops? 671. Ah, j'ai rien dit, peut-être que si. Soyons fous. Juste pour la forme. Et on le testera dans le prochain épisode, chers amis, du coup. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens, et yop!